j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Bon, hier, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais il y a eu une vidéo sur Instagram. Donc, c'était pour compenser, en fait, qu'il n'y avait pas de vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Le lien de mon Instagram, le pseudo de mon Instagram, est en barre d'informations. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, aujourd'hui, on est lundi. Et là, il est midi, 13h, je pense. Ouais, il est 13h10. On s'est levé tranquille, on s'est couché tard hier, donc on s'est levé tranquille aujourd'hui. Le programme de la journée, vite fait, s'il est bien respecté dans sa totalité, on doit aller voir chez les parents de Nam les chats et leur donner à manger. Deux, on va passer à Cap 3000 pour que j'aille m'acheter un jogging. Trois, on doit aller à l'appart, notre futur appartement, pour débarrasser des trucs de travaux qui ont été faits hier. Donc on va faire tout ça. Donc là, la première étape, c'est d'aller nourrir les chats et on sera bon. Donc, let's go. Bébé chat, mon tout beau. La dalle, ta faim. Oui. Oh là là. J'ai moi. L'œil, je crois. Du coup, je vous reprends maintenant. Vous avez vu qu'on est allé à Cap 3000 tout à l'heure. J'avais repéré 2-3 trucs et j'avais deux bons à utiliser en fait. Un chez Jennifer et un chez les Galeries Lafayette qu'il fallait absolument que j'utilise puisqu'ils étaient bons que jusqu'à août, fin août. Mais dans le doute où ils vont peut-être demander le pass sanitaire, je me suis dit que j'allais y aller maintenant tant que c'est pas encore d'actualité. Comme ça, je vais pu les utiliser tranquillement. Donc ça, c'est fait. Et là, du coup, je vais aller aider Nam, enfin s'il a besoin d'aide, pour débarrasser dans l'appart. Et sinon, je viendrai faire des trucs ici en attendant qu'il est fini. Donc on va aller le voir. Petite recette avec vous ce soir, je vais essayer de faire des briques, enfin on va essayer de faire des briques, je sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir, il y a déjà les pommes de terre dans l'eau, elles sont en train de cuire tranquillement parce qu'il faut faire une purée avec, et là je vais préparer la viande et du coup je voulais prendre avec moi, je vais essayer de vous installer pour que vous installiez le téléphone parce que la caméra est en charge. Donc je vais essayer de faire au mieux avec le téléphone.
quand même pas mal bonne. On va voir ce que ça donne au goût, mais ça a l'air trop bon. Et il nous reste un peu de ce qu'il y a dedans, du coup on va le manger aussi, on va pas le jeter. Donc sur ce, bon appétit si vous mangez pendant cette vidéo. Bon, j'ai mon nez tout rouge, on regarde pas ça. Même si maintenant que je viens de vous le dire, vous allez voir que ça. J'ai eu l'allergie toute l'après-midi, d'où ce faciès un peu particulier. Je suis un peu proche, mais parce que du coup, la caméra est toujours en charge. Bref, les briques, c'est super bon. Je pense qu'on pourrait essayer de mettre un peu plus d'épices, mais c'était quand même très très bon. Là, on a tout rangé, tout nettoyé. Une machine qui tourne et après on va aller se coucher. Mais avant, je voulais vous montrer les 2-3 trucs qu'on a acheté à Cap tout à l'heure. On a acheté ça, c'est pour, comment ça s'appelle ? Pour les ceintures, pour rajouter des trous dans les ceintures en fait. Et ça doit certainement avoir une autre utilité, mais je sais pas quoi. Avec des boutons aussi, pour les boutons. Pour les boutons ? Ouais. Ah. Et c'était à 6,73€. Chez Sauce Rengren, donc ça va, c'est pas très cher. Ça, c'est un truc qu'on va garder pendant très longtemps, donc ça va. J'ai acheté un petit t-shirt comme ça, tout simple, à 10€. Col rond, mais haut, et je pense qu'il doit être un peu court, mais c'est pas, ça me dérange pas. Donc en M, je l'ai payé 9,99€, c'était chez Jennifer, voilà, parce que j'avais un bon à utiliser en fait. Et comme ça se rapprochait grandement, je me suis dit bon, allez, aujourd'hui, on y va. On va acheter tout ça. Donc, j'ai pris ça et je me suis pris le jogging qui me faisait rêver, que je m'étais dit non, tu vas pas acheter. Ben, si, je l'ai acheté. C'est en taille S. Il était à 19,99€ et c'est un jogging The Mandalorian. Donc là, il y a Bébé Yoda. Et là, il y a écrit The Mandalorian. Il est vert très clair, donc ça va. Et il est très très joli et je pense qu'il va être très très agréable à porter. Je pense que ça va être très très sympa à avoir et il devrait très vite être mis et vous verrez ça. Et ensuite on est allé aux Galeries Lafayette parce que j'avais aussi un bon. Donc je me suis pris un livre, voilà, tout simplement. C'est les enquêtes de Lady Rose. Donc là c'est Meurtre et Séduction et c'est de MC Beaton. Donc la même qui fait Agatha Raisin en fait. Ils sont à 14€, tous ces livres sont à 14€. De chez Albin Michel. Et j'avais très envie de voir un peu ce qu'elle faisait d'autre qu'Agatha Raisin. Même si il faut que je continue parce que j'ai lu les deux premiers. Et il y en a quand même 27 je crois, donc il va falloir que je m'y remette. Et Nami s'est acheté la collection, bah, les 3 tomes de La Faucheuse de qui c'est ça, Neil Schusterman. Voilà, il les a pris du coup les 3. Donc le premier c'est La Faucheuse tout simplement. Le deuxième c'est, il est comme ça, j'ai perdu le papier, le Thunderhead. Et le dernier du coup, le troisième, c'est La Faucheuse, le glas tout simplement. Et il a trop adoré, en fait il avait déjà acheté le premier tome en poche. Il voulait juste voir si ça allait lui plaire etc. Et en plus on l'avait pas vu sous cette forme là. Il a lu, il a adoré et là on a vu les 3, du coup il s'est pris les 3 comme ça. Et le poche du coup on va certainement le revendre. Et au moins moi je vais pouvoir aussi les lire parce que... Après j'ai vu plein de... Je suis pas mal de booktubeurs et j'ai vu qu'il était vraiment apprécié ce livre. Donc je pense que je vais quand même me faire la trilogie. En tout cas, essayez déjà le premier, même si j'ai pas mal de livres à lire, donc bon, il y a de quoi faire. Mais ça a l'air sympa, donc je vais quand même sûrement tenter l'expérience. Donc voilà, j'ai pas acheté grand chose aujourd'hui, mais on a un tout petit peu acheté quand même. Je suis désolée, quand je filme à l'iPhone, je sais pas du tout où regarder sur l'écran, donc je regarde un peu n'importe où. Voilà pour nos petites emplettes, tout simplement. Et là, on va aller se coucher, je pense. On attend juste que la machine elle finisse et on va aller se coucher. De toute façon, demain, je vlog encore, donc vous aurez une vidéo demain pour vous, quand même. Du coup, ici, puisque c'est toujours mon challenge du mois d'août. Du coup, il y a eu juste 2 jours pour l'instant où je n'ai rien filmé. J'essaierai soit de rattraper, soit je vais voir. Je vais peut-être, je sais pas si je vais les rattraper en septembre, on verra comment on s'organise. Je sais pas du tout ce que je veux faire pour l'instant. Surtout que en septembre on reprend normalement notre chaîne Disney, donc il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. Et là tout faire en même temps ça va être folklore. Mais c'est pas grave. Là il reste 3 semaines avant la fin du mois d'août. Nous on n'est pas là les derniers jours d'août, mais je vous dis pas encore pourquoi et où on va. Bref, dans tous les cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas
à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.